Salut tout le monde, vous êtes sur notre chaîne Amélina Kids. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Aujourd'hui, on va jouer au jeu. Marshmallow. La question que vous nous posez, pourquoi il y a tout ça? Parce qu'on va jouer à notre version. Alors, on va insérer ça dans notre bouche. Et on prend le mot qu'on doit dire. Et pourquoi il y a le téléphone? Parce qu'on va jouer avec Google. Ok Google, ça va? Ok Google, ça va? Super, j'apprends plein de choses. Saviez-vous par exemple que la France est le pays qui a remporté le plus de prix Nobel de littérature? Merci Google. Alors, pour savoir qui va commencer le jeu, on va faire pierre-papier-ciseaux. 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 C'est moi qui va commencer le jeu. Alors, je vais piocher le mot. Alors, le mot, c'est Monster High. Et là, on commence. Ok Google. Ok Google. Monster High. Ouverture de l'application Instagram en cours. Instagram. Ok Google. Ok Google. Monster High. J'ai perdu parce que j'ai pas réussi la première fois. Alors maintenant, c'est au tour d'Amélia. Allez, Amel. Angry Birds. Oh. Allez. Ok Google. Angry Eggs. Il a mis Angry Eggs. Il a pas compris. Attends, on va essayer moi. Angry Birds. Selon Wikipédia, Angry Birds est une série de jeux vidéo créée par la société finlandaise Review Inter. Amel, t'as 0 et j'ai 0. 0 contre 0. Alors, maintenant, c'est encore. Je vais piocher. C'est le mot orange. Orange. Contre toi, t'as 0. Wouhou! Je suis trop contente. Passe à moi. Allez, Amel, c'est à toi. C'est quoi ce papier? Voilà. Fruits. Allez, Amel. Mais. Oui. Et t'as compris? Selon Wikipédia, l'orange est un agrume fruit des orangers, des arbres de différentes espèces de la famille des rutacées ou d'hybrides de ceux-ci. On va compter le point, mais c'est juste qu'en fait, il avait pris le mot orange que j'avais dit avant, plus le fruit qu'elle a dit. Voilà. Du coup, ça compte quand même. R contre R. Yes. Alors. Le mot bourbier. Amel, tu
tu connais ce mot? Non. On va voir, Google va nous le dire. Laurier. Voici les résultats pour Laurier, Laurier. À proximité. Laurier, Laurier. Maman. Alors, on va dire maintenant, pour ce que tu sais, qu'est-ce que c'est? Bourbier. Bourbier, lieu creux plein de bourdes. Amel, maintenant c'est à ton tour. Oh, Amelina Kids. C'est notre chaîne. Allez, Amel, tiens, mets-le. On va voir s'il nous a reconnus. Bah, ça fait pas depuis longtemps qu'on a notre chaîne. Allez. Amelina Kids. Photo correspondant à notre recherche. Voilà. C'est écrit, ça a mis Alina Kids. Oh, j'ai pas trouvé le mot. Oh, il y a le président Poutine, mais on n'a pas cherché le président. On a cherché Amelina Kids. On va essayer maintenant de le dire. Amelina Kids. Voici des photos correspondant à votre recherche. On est là? Yes, yes. Voilà, on nous a trouvé. C'est à moi. Il est là. Alors, Birmanie. Birmanie. Alors, je vais dire le mot Birmanie. Mais t'enlèves. Birmanie. Birmanie. Et mais j'ai pas de points à cause de toi. On n'a pas compris. Je crois que je l'ai bien dit. Alors, on va dire Birmanie. Birmanie. Voici quelques informations sur Birmanie. Voilà. Amel, c'est à toi? C'est toi qui as fait ça. C'est à ton tour, Amel. C'est le mot Matt Pokora, c'est un chanteur. Oh, yeah. Amel, t'aimes le chanteur Matt Pokora? Oui. T'aimes laquelle chanson? Tous. Tous? Et vous, vous aimez Matt Pokora? Si vous aimez, dites-le en commentaire. Et quelle musique vous aimez? Birmanie? Peut-être avant il habitait là-bas, non? Ah, Amel, tu sais ou pas? Si vous le savez, dites-le en commentaire. Alors maintenant, c'est à qui? C'est à moi? Allez. Alors, Wikipédia. Wikipédia. Oh, c'est dur Wikipédia. Hein? Alors, on va essayer s'il y a à reconnaître. Wikipédia. Il a réussi! Oui! T'as dit, bon, j'ai réussi. En plus, il était dur le mot, non? Oui. J'ai gagné. Allez, maintenant c'est à ton tour. Pinocchio.
sûr. Allez. Il n'y a que... Selon Wikipédia, une signature est une marque permettant d'identifier une œuvre ou la cause d'un phénomène. Ainsi, on dessine ses écrits. C'est pas du tout la même chose, la signature et Pinocchio. Tu sais, Amel, qui c'est Pinocchio? Oui, c'est lui qui a un gros nez. Ok, Google. Pinocchio. Même si j'en étais capable, je ne mentirais pas. Mais je peux vous aider à apprendre à reconnaître un mensonge. Il a cru qu'on a dit que c'était lui, Pinocchio. Mais non. Ouais, ben merci. Bon, on va le montrer. Regarde. Pinocchio. Selon Wikipédia, Pinocchio est un personnage de fiction, héros du roman pour enfants Les Aventures de Pinocchio, écrit en 1881 par le journaliste et écrivain italien Carlo Collodi. Allez, à moi. C'est le Jelly Belly. Ok, Google. Jelly Belly. Il y a sur Wikipédia, le Jelly Belly, bonbon haricot en français, est une confiserie à base de sucre, généralement parfumée aux fruits. J'ai eu raison. Merci, ok Google. Ok, Google. Ok, Google. Merci. Ah, mais t'es folle. De rien. Allez, à toi, Amel. Allez. 3.43. Le mot bonbon. Et c'est le dernier. Ok, Google. Pas compris, t'as pas tout compris. Ah merde! Alors, on va mettre bonbon. Selon Wikipédia, un bonbon est une confiserie généralement aromatisée avec divers goûts sucrés. Merci. Alors, ce jeu c'est terminé. Moi j'ai 3 points, elle a 1. Du coup, c'est moi qui ai gagné. Merci Google d'avoir joué avec nous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche. Ciao, ciao, ciao. À une prochaine vidéo. On vous aime.